Mais ce qui est plus révoltant encore, comme je l'ai toujours dit, c'est qu'on est convaincu que ces deux jeunes qu'on va enterrer tout à l'heure n'auront pas droit à la justice. C'est vraiment triste. Le gouvernement, dont c'est la responsabilité de mener des enquêtes en cas de bavure, encore que si ce n'est pas de bavure, nous sommes bientôt à 100 jeunes abattus froidement dans la rue, dont la plupart étaient en train de manifester, certes, mais certains d'entre eux n'étaient même pas dans les manifestations, comme celui qui venait d'arriver de la rue avec son taxi, il venait de débarquer ses passagers, et c'est là que des agents en uniforme, un agent en uniforme, a pris son arme, l'a braqué et l'a tiré sur la tête, et il est mort sur place. 100 jeunes, 100 Guinéens, depuis qu'Alpha au Condé au pouvoir. Jamais une enquête. Jamais une compassion du gouvernement. Jamais une sanction administrative, même administrative, à l'endroit des responsables de la police et de la gendarmerie. C'est vraiment triste sur notre pays. Léonard de Vinci dit que celui qui néglige de punir le mal le cautionne. Aujourd'hui, on ne s'interroge plus. Pourquoi cette indifférence des autorités de ce pays? C'est parce qu'ils ont voulu
hélas, par le meurtre, arrêter les manifestations. Pour eux, c'était une technique d'intimidation. En tuant. Ils ont souvent, sinon toujours, suscité, encouragé ces meurtres. Parce que sinon, pourquoi pas, le lendemain, mettre en place une commission d'enquête, interroger les riverains, ceux qui étaient dans le quartier, interroger ceux qui étaient dans les manifestations, y compris nous-mêmes. Parce qu'on est dans les manifestations, je suis toujours devant, mais jamais une commission d'enquête n'a été mise en place pour savoir dans quelles circonstances ces jeunes Guinéens ont été tués. Je suis vraiment triste pour mon pays. La première responsabilité de l'État, c'est d'assurer la sécurité des citoyens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Il a sacrifié ça parce que c'est des gens présumés être de l'opposition. Parce que l'État, le gouvernement n'est pas un gouvernement du peuple, c'est le gouvernement au service d'un clan. Et qui considère que ces citoyens qui sont de l'opposition ne sont pas dignes de bénéficier de la protection de l'État. Et c'est ça qui est triste. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens sont révoltés. Il faut qu'on se mobilise contre ce gouvernement corrompu, criminel. Et c'est vraiment triste. Combien de fois sommes-nous venus ici enterrer les jeunes? On s'attend toujours à ce que les enquêtes soient ouvertes. Tous les dialogues qu'on a eus, tous les accords politiques, vous verrez que le gouvernement s'est engagé à ouvrir des enquêtes pour identifier les auteurs et les commanditaires des crimes pour les déférer devant les tribunaux. Le dialogue de 2013, celui de 2014, celui de 2015, celui de 2016, mais ça n'a jamais été suivi de fait. Parce que, effectivement, pour eux, c'était une technique de dissuasion de l'opposition pour organiser des manifestations. Mais c'est excessif, c'est criminel, c'est cynique. Aujourd'hui, Human Rights Watch, Amnesty International, le monde entier interpelle le gouvernement guinéen. Mais il ne réagira pas. Parce qu'il a du plaisir à tuer, à faire tuer ces jeunes qui sont présumés être de l'opposition. Et c'est triste. Mais le combat, nous le mènerons. C'est un combat républicain pour la protection des droits humains, pour l'instauration d'une démocratie vraie, d'une réconciliation réelle, d'un État de droit qui veillera à la sécurité de tous les fils du pays, au respect de leurs droits et de leur dignité. Et ce combat-là, nous allons le continuer encore avec beaucoup de plus de fermeté et de vigueur. Merci beaucoup. Merci. I want for like in a kale, in a mantembe, go by the deep.